Bon, super. Salut Gabriel. Salut Nadège. J'ai la grande joie d'accueillir, je suis trop contente, Gabriel Clément sur cette chaîne. Et je ne sais pas si on t'appelle toujours Monsieur Habitude. Non, non, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent comme ça. Moi, je suis très heureuse de t'avoir en interview aujourd'hui parce que je trouve que tu es super inspirant. Et du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas trop, est-ce que tu peux te présenter? Tu es aussi sur YouTube, bien sûr. Et voilà, Ouais, je suis principalement sur YouTube. Ouais, ouais. alors bah, je m'appelle Gabriel. J'ai une chaîne qui parle, on va dire, de créer une vie de choix, on pourrait dire à l'opposé de créer une vie par défaut. Ça reprend les thématiques, alors maintenant c'est assez large, ça reprend les thématiques de l'indépendance financière, de l'accomplissement, atteinte d'objectifs et aussi de l'aisance sociale. Je me suis élargi par rapport au départ, par rapport à quand j'ai commencé, mais je dirais que l'axe principal de la chaîne, c'est toujours le même. C'est le fait de prendre le contrôle de son quotidien. Je suis vraiment fasciné par ça. Il y a une phrase de Jim Rohn, tu vois, là, je suis en train de faire des résumés de livres pour la chaîne, alors je suis en train de me replonger dans les livres que j'ai déjà lus. Et là, j'ai fait une vidéo il y a 2-3 jours par rapport à ça. Il y a une phrase de Jim Rohn que j'adore. Il dit que l'échec final, quand on échoue parce qu'après une deadline, on n'a pas réussi ou parce qu'on abandonne parce qu'on n'a pas assez de résultats, en fait, il n'existe pas vraiment, mais c'est la somme des petits échecs du quotidien. C'est-à-dire que c'est l'accumulation des petits échecs du quotidien qui fait qu'au bout d'un moment, il y a cet échec final. Et j'aime beaucoup ça. Si on l'inverse, en fait, c'est la même chose pour le succès. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que le succès, c'est un truc énorme. En fait, le succès, c'est juste l'accumulation des petites victoires du quotidien. On a souvent tendance à penser que le quotidien, ce n'est pas tellement important. On s'est tous dit à un moment donné, bon, allez, je le ferai demain, c'est vrai, il y a encore demain. Enfin, ça pas en soi, une journée, c'est jamais qu'une journée. On ne voit pas l'importance que ça a. Mais la réalité, c'est que chaque petite victoire dans chaque journée, ça a une importance incroyable. Et donc voilà, donc c'est, je dirais que tout passe par ça, tout passe par prendre le contrôle du quotidien. Moi, je me suis aperçu il y a quelques temps en arrière que je n'étais pas quelqu'un qui pouvait réussir à faire des choses extraordinaires, on va dire. Je n'étais pas quelqu'un qui allait prendre des décisions folles, qui allait exploser ses peurs. Par contre, je pouvais apprendre à être régulier, je pouvais apprendre à contrôler mes journées et que ben, ça pouvait m'amener des résultats. Voilà Et en gros. ouais, super. Et du coup, je sais que, en fait, toi, tu as démarré comme ça. Enfin, je veux dire, à la base, tu n'étais pas du tout dans cette optique-là et ça s'est Tu parles développé. de la création de contenu. Ouais, création de contenu et puis être aussi dans ces choses percutantes au quotidien, en fait. C'est qu'à la base, toi, tu ne faisais pas ça. Enfin, je sais que tu l'expliques aussi sur ta chaîne. Ouais, non, je ne sais pas Tu as ça du tout. vraiment Alors, il y a vraiment transformé eu... ta vie. Ouais, il y a vraiment eu deux phases. La première phase, on va dire, quand j'avais un peu moins de... Ouais, quand j'avais un peu moins de 20 ans, où c'était une phase où vraiment j'ai commencé, c'est-à-dire que j'ai commencé à vraiment l'optique développement personnel, l'optique chercher à améliorer ma vie, avant, on va dire, 3-4 ans avant vraiment de commencer la création de contenu. Et après, j'ai commencé la création de contenu. La création de contenu, ça s'est fait un peu, c'est fait simple. Enfin, ouais, j'avais pas du tout l'idée de faire ça. En fait, juste à un moment donné dans ma vie, je me suis retrouvé vraiment dans une vie de nouveau que je voulais pas. Je savais pas vraiment quoi faire. Et j'ai pris notamment la décision à ce moment-là de me former massivement. J'ai fait plein de choses. J'ai fait aussi du coaching que j'avais toujours voulu faire et que je n'étais jamais autorisé à faire. Et j'ai rencontré des gens justement à ce moment-là, des coachs, et qui étaient souvent des créateurs de contenu. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu l'idée. C'est comme ça que j'ai eu l'idée vraiment de commencer à créer du contenu. Je me suis dit, un peu comme tout le monde, je pense, un peu comme tous ceux qui se disent à un moment donné, OK, je vais créer du contenu, pourquoi pas moi, quoi? Pourquoi moi, je ne le ferais pas? Pourquoi eux, ils le font? Et pourquoi moi, je ne le ferais pas? Et donc, bah, voilà, je me suis dit, OK. Et puis, j'ai un petit peu cette tendance de me dire, OK, je pense que c'est possible. Tu vois, il y a toujours des gens qui sont un peu sceptiques, mais dans le sens où ce n'est pas possible. Moi, je me dis, OK, allons-y, tentons. Tentons le truc et voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé sur la création de contenu. Super. Et du coup, je sais aussi que tu as changé aussi ta vie, pas que sur le contenu, mais parce que tu sais que ma chaîne s'appelle Le Bonheur et la Santé. Donc, il y a aussi, tu as vécu aussi toute une transformation dans ton physique, dans ton quotidien, dans ton hygiène de vie aussi. Comment ça a démarré un petit peu en même temps tout ça? Ouais, ça a démarré en fait, comme je te disais, la première transformation, c'était vraiment l'aspect développement personnel. C'était bon, ça a été assez basique à la base, c'est que j'avais aucun succès avec les filles, pas du tout, et ça me faisait vraiment souffrir, j'en avais marre. Et je me suis dit, ok, je me souviens, j'en parle souvent sur la chaîne, je me suis posé à une table un jour, je me suis dit, comment je pourrais changer ça? Et je me suis dit, bah, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer. J'étais extrêmement mince, vraiment, j'étais très 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 mince, je faisais presque 30 kilos de moins que maintenant. Donc vraiment, je me suis dit, OK, bah, je vais changer mon look et je vais apprendre à aller vers les gens, je vais apprendre à devenir plus sociable. C'est comme ça que tout a démarré, en fait. C'est vraiment démarré avant, bien avant la création de contenu, comme je te disais, ça a démarré juste par ça, quoi. Puis après, tout s'est un petit peu enchaîné.
Et puis aussi, c'est vraiment, enfin, je veux dire, ça pousse aussi quand tu fais une chaîne. J'imagine que toi, tu le sais aussi, quand tu es créateur de contenu, ça te donne une certaine responsabilité. Ça te pousse aussi à aller encore plus loin parce que tu te dis, bon, voilà, il y a plein de trucs que je dis et tout. Il faut que je me l'applique à moi-même. Il faut aussi que je le fasse. Il faut aussi que je me dépasse. Et donc, voilà. Donc, en fait, tu inspires les autres. Tu es inspirant aussi. Et surtout, bah ouais, comme tu disais, tu appliques vraiment, vraiment tout ce que tu fais. Oui, enfin, j'essaye. Hein. Enfin, on n'est jamais parfait. Hein, mais en tout cas, j'essaie toujours de… Et des fois, je me reprends, je me dis, mais tu dis ça, mais il faut que tu le fasses. Quoi. Donc, ouais. Ouais, c'est la recherche constante, en fait, d'amélioration de soi, de donner la meilleure partie de soi, en fait, pour toi et pour les gens qui t'écoutent et qui te suivent. Moi, j'ai une conviction personnelle. Après, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Pour moi, le bonheur est dans l'accomplissement. C'est-à-dire que je ne conçois pas vraiment le fait de me dire à un moment donné, ça y est, c'est bon, et voilà, je vais me poser, je ne vais plus rien faire. Donc, moi, je pense que, voilà, on peut tous le ressentir, là, encore une fois, dans son quotidien. Quand est-ce qu'on se sent bien dans le quotidien? On se sent pas bien quand on a passé sa journée à regarder Netflix ou à rien faire. On se sent pas bien à la fin de la journée. On s'est peut-être détendu, on a peut-être profité, soi-disant, mais on se sent pas bien. Alors que quand on a fait des choses qui étaient vraiment importantes pour nous, quand on a avancé sur des projets majeurs, là, on se sent bien. Donc, en fait, c'est un peu ça. Et pour moi, après, tout le monde doit, je pense que c'est pas une science exacte non plus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent absolument que, voilà, tout soit mathématique. C'est pas mathématique. Il faut tester par soi-même. Après, il y a des philosophies qui vont plus ou moins correspondre. Peut-être des gens qui sont beaucoup plus à l'aise avec la philosophie, voilà, de prendre plus le temps, de profiter. Voilà, il y a pas forcément de problème avec ça. C'est un chemin et il faut apprendre aussi beaucoup à se connaître. Mais moi aujourd'hui, je commence à vraiment bien me connaître et je sais que je trouve, voilà, je me sens quand j'ai du succès, quand j'atteins mes objectifs, je me sens bien et ça irradie toute ma vie. Et à l'inverse, bah, quand c'est pas le cas, bah, je me sens mal. Et du coup, tu fais en sorte que si tu te sens mal, bah, tu changes à nouveau les choses pour pouvoir t'améliorer et à nouveau aller vers… Ouais, de toute façon, c'est toujours… Enfin, c'est un ajustement constant. Hein. Il n'y a jamais… Puis même des fois, il y a des objets… Enfin, ouais, c'est toujours un ajustement. C'est toujours le fait de se dire, OK, comment je peux changer. Enfin, moi, je raisonne beaucoup en termes de journée, comment je peux faire par rapport à ma situation. Par exemple, l'année dernière, je me suis installé en Asie. Je n'avais pas forcément prévu de le faire à ce moment-là. Pourtant, j'avais défini tous mes objectifs de cette année, tout était assez clair. Bon, bah, j'ai changé pas mal de choses parce que forcément, ça a chamboulé pas mal de choses et donc j'ai réajusté. Donc, tout est constamment un ajustement. On ne peut pas tout prévoir à la minute près, voilà, au mois près, constamment. Alors, justement, j'ai une question. Comment tu fais pour que le changement au quotidien, justement, il soit aussi agréable? Que ce ne soit pas quelque chose… Non, c'est pas agréable. Je t'arrête tout de suite. Je t'arrête tout de suite, c'est pas agréable. C'est justement là où je pense qu'il y a une confusion. Il y a une confusion peut-être chez certaines personnes, c'est que c'est pas du tout agréable. Il y a pas de, enfin, je veux dire, c'est souvent des remises. Enfin, c'est agréable au bout d'un moment. Au bout d'un moment, tu finis par trouver une certaine forme de plaisir parce que tu sais que c'est le bon chemin. Tu sais qu'au final, tu vas arriver à une forme de satisfaction personnelle, de fierté en toi. Mais tout ce qui en général t'amène à ce qui est important pour toi n'est pas agréable. Voilà, passe forcément par prendre des risques, insécurité, peur, changement et tout ce qu'on n'a pas forcément envie de vivre. Là justement encore, je reprends. Enfin là, comme je te disais, je suis sur mes livres là, donc là j'ai pas mal de citations en tête. Là, Grant Cardone qui a écrit 10x Rules, un entrepreneur américain, multimillionnaire, il a vraiment beaucoup beaucoup de succès. Et il explique qu'il y a beaucoup de gens qui lui disent, Grande, comment tu fais pour toujours aller au-delà de tes peurs? Comment tu fais pour toujours, ben voilà, pour résister à la pression, gérer ça? Et il dit, les gens se trompent, en fait. La vérité, c'est que 90% du temps, je suis terrorisé. Donc, c'est ça, en fait. C'est pas agréable. Voilà, pour la faire courte, ce n'est pas agréable. Bon, alors, justement, comment tu fais pour rester motivé dans ces cas-là? Parce que j'ai testé les deux, ça m'est arrivé plein de fois. Enfin, déjà, pour rester motivé, ce n'est pas possible de rester motivé. Enfin, je veux dire, si on part du principe que la motivation, c'est l'envie d'agir, et si on essaie de se dire, OK, tous les jours, je vais être motivé, ben là, encore une fois, c'est pour tourner le problème. Parce que si tu mets comme postulat que pour agir, il faut que je sois motivé, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, il faut commencer à dire comment je fais pour agir quand je ne suis pas motivé, justement. Comment je réussis à trouver des choses qui font que, le matin où ça ne va pas, le matin où je ne me sens pas bien, ben, je fais quand même. Donc, c'est là qu'arrivent tous les concepts d'habitude, d'autodiscipline, de commencer petit, l'organisation, les structures de journée, enfin voilà, toutes les choses que je peux dire, enfin, en tout cas qui fonctionnent pour moi, qui fonctionnent pour pas mal de personnes que je coach ou qui suivent mes formations. Et c'est là que le switch à faire, c'est de comprendre que ce n'est pas agréable,
chercher le fait que ce soit agréable, c'est peine perdue, et que ben il y aura pas, voilà, tous les jours ne vont pas être roses et tous les jours ne vont pas être. Et je pense que c'est surtout ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent abandonner à un moment donné, c'est qu'ils se sentent coupables du fait de ne pas être motivés, ils se sentent coupables du fait que ce soit dur, ils se sentent coupables du fait de d'avoir beaucoup de pression, d'avoir beaucoup de peur, alors que c'est normal, en fait, c'est juste normal. Ouais, tout est humain, sauf qu'on ne nous le dit pas forcément et on a l'impression que derrière le décor, c'est toujours parfait, et alors qu'en fait, voilà, chacun a ses difficultés. Il faut forcément. Enfin, dès que tu veux sortir, le truc, c'est que tu es toujours pareil. C'est-à-dire que tant que tu es dans la sécurité, tu es dans le confort, tant que tu fais ce que tu as toujours fait, donc tu as toujours les mêmes résultats. À partir du moment où tu veux différent, tu dois faire des choses différentes et tu vas te retrouver dans des zones que tu n'as jamais explorées. Même principe que voilà, si tu as ta maison et puis ton territoire tout autour, c'est très tranquille. Mais si tu veux conquérir un nouveau territoire, tu dois sortir de ton territoire et d'un coup, tu te dis, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc, ça passe forcément par le changement. Il n'y a pas le choix, en fait. Ouais, je pense que la vie est le changement. Pour moi, on va rentrer dans le philosophique, qu'est-ce que la mort si ce n'est le non-changement, le non-mouvement? Donc pour moi, à partir du moment où tu te mets dans le monde, le non-mouvement, et que tu restes pendant des mois, voire des années, tu es déjà mort, en fait. Justement, alors moi, du coup, qu'est-ce que tu dirais, ce serait quoi le conseil premier, justement, à quelqu'un qui aura envie de changer un peu son quotidien et aller trop loin, mais qui n'a pas forcément une vie super, qui a envie de changer un petit peu, mais qui a beaucoup de peur. Comment, par quoi cette personne pourrait démarrer, en fait, tranquillement? Le conseil que je donne, c'est de commencer à mettre en place une habitude et de la tenir pendant 3 mois, pendant 90 jours. Parce que pour moi, il y a deux choses. C'est que premièrement, c'est le premier outil pour devenir régulier. Comme je t'ai dit, la régularité, c'est la clé du succès, parce que le succès va chercher dans les petites choses du quotidien et le fait de faire au quotidien. Et ensuite, quand tu vas réussir à avoir tenu ton habitude pendant 90 jours, tu vas avoir un bénéfice en termes d'estime de toi, en termes de dire « Ok, je suis capable de faire les choses », qui est assez incroyable. Moi, quand j'ai redémarré vraiment en 2014, j'ai commencé là-dessus. Je me suis dit « Ok, je m'étais formé, j'avais suivi plusieurs formations sur les habitudes ». Et à la fin de la dernière que j'ai suivie, le formateur disait « Ok, ce que vous allez faire maintenant, c'est de partir sur un défi de 30 jours et tenir une habitude pendant 30 jours ». Donc, j'ai décidé de faire une routine matinale pendant 30 jours. Au final, je l'ai tenue pendant 115 jours. Et alors que c'était un moment où j'étais quand même assez bas moralement, ça m'a permis vraiment d'avoir une estime de moi, de me dire « Ok, je suis capable de faire des choses, je suis capable de faire des choses ». Donc, c'est gagner des petits succès. Je pense qu'en faisant ça, en mettant en place une habitude et en l'attendant 90 jours, non seulement tu gagnes en estime de toi, et en plus, tu développes une compétence qu'il y a très, très peu de gens qui ont. Il y a très, très peu de gens qui aujourd'hui sont capables de dire « Je vais commencer une habitude », même une habitude toute simple, même à prendre une compétence, je ne sais pas moi, un instrument de musique, une langue, n'importe quoi, et qui sont capables de le faire, ne serait-ce que même 15 minutes par jour. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à être régulier, on a beaucoup de mal à faire ne serait-ce que des petites choses. Et c'est pas une question de le faire une heure ou deux heures. C'est pas une question de le faire une heure ou deux heures. Même des petites choses, on a du mal à le faire. Oui, c'est vrai. On est très sollicité. On a beaucoup d'obligations entre la vie de famille, le travail, Netflix, comme tu dis. Donc, ouais, il y a Netflix, un moment. Ouais, on rentre dans la question des priorités. Et à un moment donné, tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Donc il faut savoir réussir au moins. Je dirais qu'il faut pouvoir se dégager au moins une heure par jour pour soi. Peut-être dispatcher dans la journée. Après, c'est aussi des sacrifices à faire. Je veux dire, tu peux pas. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que ta vie telle qu'elle est actuellement, en général, je veux dire, pour quelqu'un qui veut démarrer, si tu veux changer, elle sera plus comme elle est actuellement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont sauter, il y a des choses qui vont être différentes. C'est forcé. Tu veux conserver toute ta vie actuellement et faire du nouveau, c'est pas possible. Ouais. Ça s'appelle pas changer à ce moment-là. Ouais. Donc, c'est vraiment faire des choix et faire par priorité. Moi, j'ai rencontré pas mal de gens qui n'arrivaient pas à faire de choix. C'est dur. Moi aussi, j'étais dans ce cas-là, c'est très difficile. Enfin, la thématique du choix est difficile. Okay. C'est pas choisir qui est difficile, c'est la projet. Enfin, tout dépend du type de choix, en fait. Enfin, si tu pourrais peut-être expliciter ta question, je pourrais mieux. Quel type de choix? Oui, effectivement, par exemple, faire un choix d'un nouveau travail et pas savoir du tout ce qu'on veut. Ouais, tu vois, des choix quand même assez. C'est la problématique du choix, oui. C'est difficile, mais l'idée du choix, en fait, c'est toujours la projection plus ou moins catastrophique qu'on peut se faire dans sa tête par rapport à si la situation ne se passe pas comme on voudrait qu'elle se passe. Mais l'idée, c'est de comprendre que de toute façon, tu as toujours le contrôle par tes actions. Donc, il y a toujours. Moi, j'aime bien regarder en arrière et de me dire que sur des grands choix, par exemple, je me souviens qu'un des grands choix de ma vie,
ça a été quand j'ai décidé d'arrêter mes études en droit, me dire ok, je vais aller trouver un boulot de base et je vais arrêter mes études en droit. Voilà, je vais arrêter, je vais laisser tomber le soi-disant travail bien payé. Et ça, quand même, à un moment donné, je me suis dit bon ok, je le fais, je le fais pas. C'est quand même un choix important, quoi. Surtout que bon, il y a mon père qui était derrière qui disait tu dois pas. Et quand je repense à ce choix-là ou tous ces autres choix que j'ai pu faire dans ma vie, à ce moment-là, sur le moment, je me disais mais ça va être un truc énorme, ma vie. Ben voilà, ça va être une catastrophe si j'y arrive pas. Et au final, tu t'aperçois que même quand tu n'y arrives pas, bon bah tu trouves toujours une solution et qu'il n'y a rien qui est vraiment si catastrophique que ça au final et que tout s'arrange toujours au final. Tout s'arrange toujours. Il y a toujours et surtout, tu as toujours le pouvoir d'arranger les choses. Donc, il n'y a jamais de situation. Je pense que justement, le pire, c'est de ne pas choisir par peur. Voilà, c'est de ne pas choisir par peur. Ça te maintient dans une situation qui au final est terrible. Quoi. Est terrible parce que tu te retrouves prisonnier de ta propre vie parce que tu as peur de ce qui pourrait arriver. Alors que bon, fondamentalement, si tu le fais, tu n'as aucune certitude que ça arrive. Oui, et je pense qu'effectivement, enfin, toutes les peurs qui peuvent venir, elles sont vraiment issues du mental et on n'est pas nos pensées. En fait, on pense à plein de choses, mais au final, souvent, ça ne se passe pas du tout comme nos pensées indiquées. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis beaucoup quelqu'un. Enfin, je suis quelqu'un de très inquiet, naturel. J'ai un naturel inquiet, un naturel stressé. Je suis beaucoup dans ma tête. Et pendant un moment, ma stratégie, c'était plutôt ok. Je vais imaginer toutes les situations catastrophiques qui peuvent se passer, en essayant d'y trouver une solution. Tu vois, si jamais, en admettant que ces situations se passent. Et ce dont je me suis aperçu aussi avec le temps, c'est qu'en fait, bah, je me prenais la tête pour pas grand-chose et qu'en général, ça se passait pas. Ou si ça se passait, ça se passait dans une situation, la 52e situation que j'avais pas imaginée, pour laquelle j'avais pas de solution de toute façon. Donc, au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, c'est bon, je vais faire. Et puis j'ai aussi beaucoup testé. Enfin, personnellement, j'ai aussi beaucoup testé le côté ne pas faire. Enfin, faut vraiment voir que pendant 18-20 ans, j'ai pas fait vraiment rien du tout. Et je sais ce que c'est. Je pense que c'est le cas pour avoir rencontré pas mal de gens qui ont fait ensuite des choses vraiment, des choses qui ont changé leur vie en tout cas. Souvent, c'est des gens qui ont testé l'autre côté de la barrière, mais vraiment à un niveau profond et qui se disent maintenant plus jamais. Moi, je me dis plus jamais. Voilà, je préfère la peur, l'insécurité, le risque, etc., que la frustration, le fait de ne pas être fier de moi et tout ce qu'il peut avoir et le fait de subir ma vie. C'est, pour moi, c'est une impossibilité maintenant. Je peux plus, voilà. Oui, ça devient une souffrance. C'est ça. Ouais, non, on est vraiment dans la souffrance. Mm-mm. Ok, super. Alors, du coup, si tu avais un petit conseil à donner, quelqu'un qui démarre, donc qui veut changer là son quotidien, parce que déjà, je trouve que c'est génial. Là, rien que de t'écouter parler, ça donne envie aussi de passer à l'action et de changer des choses. Par exemple, au niveau de la santé, tu vois, moi, je suis un peu mal là-dedans. Qu'est-ce que... Pour la santé, moi, j'ai une vision, je sais pas, ça va plaire à beaucoup de gens. Pour avoir côtoyé des gens et des gens assez proches qui étaient vraiment très concernés par leur santé, vraiment très, très concernés par leur santé, on pourrait dire des gens qui étaient vraiment pas hypochondriaques, mais presque. Moi, personnellement, je crois que la santé, enfin, je pense pas qu'on puisse être fondamentalement en bonne santé si on subit sa vie. Honnêtement, j'ai du mal à penser que si on subit sa vie, que si, voilà, au quotidien, on fait des choses qu'on n'aime pas, on est avec des gens qu'on n'aime pas. On peut être en bonne santé, mais je pense pas qu'on. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de mots aujourd'hui qui sont surtout dus au fait que on n'a pas envie d'être là où on est, on n'a pas envie de faire ce qu'on fait. Donc moi, je dirais. Alors après, bon, il y a des problèmes évidemment qu'il faut traiter, mais je pense que pour pas mal de mots du quotidien, ça peut être une bonne idée de commencer par se dire tout simplement qu'est-ce que je voudrais vraiment dans la vie et comment je fais pour y arriver. Souvent, les problèmes peuvent s'évaporer en fait comme par magie quand on commence à se mettre dans le mouvement, quand on commence à se mettre dans l'action. Tout à fait, c'est valable aussi beaucoup pour la perte de poids aussi, parce que j'ai pas mal de gens qui ont ce problème là aussi. Et oui, c'est simplement avant de faire quelque chose, c'est penser déjà à ce qu'on veut dans sa vie de façon générale en fait. Repenser sa vie différemment. C'est ça que tu veux dire? Ce que je veux dire surtout, c'est que plutôt arrêter de se. Enfin, si c'est pas des problèmes. Enfin, tout dépend du type de problème de santé. C'est-à-dire que le problème de poids, je sais pas si c'est un problème de santé en soi, sauf à partir d'un certain niveau, mais tout dépend du problème. Mais en général, pour les problèmes de santé, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent partir à partir du moment où tu commences vraiment commencer à faire des choses importantes pour toi. Je pense qu'il y a énormément de problèmes de santé qui peuvent arriver quand tu te mets dans le non-mouvement. Ce que je disais tout à l'heure, pour moi, le non-mouvement, c'est une sorte de mini-mort. Et quand tu es dans le non-mouvement pendant des années, tu envoies un message à ton corps qui est « je suis mort ». Donc, au final, le corps, il agit comme si c'était une sorte de mini-mort. Hein. Oui. Voilà, bon, après, j'extrapole et peut-être qu'il y a des,
des scientifiques qui me diraient que ce que je dis est une hérésie, mais voilà, c'est moins, c'est ce que je pense. Oui, oui, tout à fait. En tout cas, il envoie le message, l'information en disant peut-être qu'il va falloir changer quelque chose parce que là, moi, je suis en train de crever, quoi. En gros, c'est ça. Ouais. Ok. C'est génial. Merci beaucoup, Gabriel. En fait, je sais que toutes tes formations, en plus, elles s'adressent vraiment à un large public, pas forcément que les créateurs de contenu. C'est vraiment tous les gens qui veulent aussi changer leur quotidien, qui veulent socialement aussi. Je sais que tu as aussi fait tout un... C'est ça, ouais. C'est vraiment mon sujet sur... trois piliers, l'accomplissement, l'atteinte d'objectifs, l'organisation, enfin tout ce qui peut permettre d'atteindre ces objectifs, l'indépendance financière, il y a la création de contenu et puis l'aspect aisance sociale. Alors la création de contenu, c'est vraiment une des seules choses que je fais qui s'adresse pas. Pour moi, ça s'adresse à tout le monde en fait, parce que vraiment mon point de vue aujourd'hui, c'est pour ça que je continue parce que j'aime beaucoup faire ça et je continue parce que je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment l'avenir et je crois qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui gagneraient, peu importe que ça soit en mode revenu complémentaire ou qu'ils soient déjà entrepreneurs ou qu'ils veulent quitter leur job. À se lancer dans la création de contenu parce que c'est un truc, c'est une mine d'or, quoi. C'est vraiment une mine d'or, c'est un truc assez incroyable. Et même si ça peut paraître un peu bizarre au départ en disant je fais des vidéos, je fais des articles de blog et je gagne ma vie, et moi j'y crois beaucoup et j'essaie vraiment de j'essaie d'aider les gens qui y sont déjà et j'essaie aussi de montrer aux gens, de sensibiliser les gens au fait que c'est vraiment quelque chose de. C'est vraiment quelque chose de bien, c'est vraiment l'avenir pour moi et c'est pas réservé que au fait de se dire comment gagner de l'argent sur internet, la bourse ou la musculation, ça peut être sur n'importe quoi. Je veux dire, tu peux être créateur d'huile d'olive, faire des huiles d'olive bio et devenir créateur de contenu, et par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, c'est vrai que c'est adaptable à tout et puis c'est vraiment une façon de communiquer au maximum et d'inspirer au maximum. C'est juste gérer aussi par contre les critiques aussi, c'est pas évident, c'est se mettre à nu aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a beaucoup de critiques. Ouais, il y a l'aspect critique. C'est gérer aussi le fait, quelque part, d'être. Enfin, si tu le fais à plein temps, je ne sais pas si toi, tu le fais à plein temps actuellement. Ouais. C'est aussi, après, c'est génial le fait d'être entrepreneur quelque part parce que c'est vraiment pour moi une sorte de gestion de sa vie dans le sens où tu as toujours du doute, tu as toujours des moments où tu ne sais pas quoi faire, tu as toujours des échecs, des réussites et c'est assez intéressant à ce niveau-là. Quoi. C'est vraiment intéressant parce que je pense que quand tu es entrepreneur, tu as un avantage. Quelque part, si tu veux changer ta vie par rapport aux salariés, que tu es tout seul en fait. Voilà, tu es tout seul, particulièrement dans la création de contenu, tu es vraiment tout seul. Des fois, tu peux avoir deux ou trois personnes qui sont avec toi, et deux ou trois prestataires, mais tu es quand même globalement tout seul. Après, oui, pour les critiques, c'est pas forcément facile et tu as toujours quelqu'un qui arrive et qui trouve le petit truc pour te blesser. Et puis, après, se faire insulter, c'est jamais agréable dans tous les cas, mais voilà, après c'est vrai qu'au fil des fois tu as des gens qui arrivent et qui te sortent des commentaires sur ta chaîne, tu te dis moi je me sens déconnecté des fois. Par exemple, la dernière fois, je sais plus ce que j'avais fait sur mon navigateur, j'avais supprimé c'était sur mon iPhone, je crois que j'avais plus les préférences, je suis retombé sur les vidéos YouTube classiques, des vidéos de divertissement que les gens peuvent regarder, et je me sens un peu déconnecté de ça, même si ça m'arrive de regarder des vidéos de divertissement que je peux apprécier. Et des fois tu as des gens qui arrivent sur ta chaîne et tu comprends, je sais pas, c'est pas le public que tu vises, quoi. C'est pas le public que tu vises, c'est un peu en mode touriste. Donc forcément, ces gens-là, ils sont pas forcément très intéressés. Et pour ceux qui sont vraiment, vraiment pas très intéressés, ils peuvent t'insulter ou critiquer. Tout à fait. Et après, après, moi, ce que j'aime bien dire sur le hating, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps là-dessus, c'est que déjà, premièrement, la compréhension logique, c'est que ces gens-là disent rien sur toi, mais tout sur eux. Donc, tu n'as pas du tout à te remettre en question par rapport à toi. C'est juste un message qu'ils donnent par rapport à eux. Toi, tu y es pour rien. Et après, pour la vague d'énergie négative que tu peux ressentir et que tu peux avoir, moi, j'essaie de m'en servir justement pour faire une journée encore meilleure et pour me dire, merci pour l'énergie, je m'en sers. Et comme ça, tu me permets d'avancer encore plus dans ma journée. Tu contribues à mon projet malgré toi. Ah oui, c'est bon ça. Merci pour le tuyau. Et c'est vrai que plus tu grandis en général, plus aussi tu as ce côté-là qui vient aussi. Donc, ça fait aussi partie un peu du… Ouais. Puis, tu as des thématiques. Moi, je suis toujours impressionné. Tu as des thématiques. C'est comme si tu appuyais sur un bouton. C'est-à-dire que quand je fais une vidéo sur un certain sujet, ça peut être une vidéo sur la séduction ou alors une vidéo sur les finances, sur l'argent. Voilà, tu sais très bien que tu fais cette vidéo, tu vas te faire lyncher. Quoi. C'est assez magique. Quoi. c'est fou. En tout cas, je te remercie en tout cas pour tout le contenu que tu donnes, la générosité du contenu parce que quand on regarde tes vidéos, on a vraiment envie de passer à l'action, de changer les choses et c'est vraiment très, très, très inspirant. Donc, merci pour tout ce que tu fais, Gabriel, parce que moi, je sais que je te suis depuis un moment et ça a changé beaucoup de choses chez moi. Donc, voilà.
C'est grâce à toi aussi si ma chaîne YouTube existe, sincèrement. Voilà, je te dis, Super, bah, ça fait plaisir, hein, ça fait toujours plaisir. Enfin, moi, ça me fait toujours plaisir que ce soit écrit en direct, enfin, plus ou moins en direct, comme ça. C'est tout, parce que, bon, après, c'est vrai qu'on fait des vidéos, ça reste un boulot assez solitaire. Des fois, on est un peu déconnecté. Des fois, tu vois des chiffres, tu as 1000, 2000, plus 200, 300 000 pour certaines vidéos de personnes qui regardent, mais tu te dis, bon, ça reste abstrait. Et donc, bah, ouais, ça me fait plaisir. Moi, finalement, c'est mon but. Alors, évidemment, forcément, je gagne ma vie avec ça, mais mon but aussi, c'est vraiment qu'il y ait du changement, d'inspirer les gens à changer. Donc, parfait, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis, bravo pour ta chaîne, hein, parce qu'on a un peu communiqué aussi par mail. Et puis, quand tu arrives à dégager un beau revenu, et puis à inspirer les gens aussi sur une thématique, voilà, moi, c'est pas du tout quelque chose, honnêtement, j'ai pas du tout creusé l'aspect corps plus sur l'esthétique, mais pas du tout vraiment précisément au niveau de la santé. Donc voilà, donc bravo pour ce que tu fais aussi. Merci, c'est un gros challenge aussi. Merci beaucoup. Écoute, est-ce que tu as envie de partager encore quelque chose pour les gens qui vont regarder cette interview? Est-ce que tu aurais un petit message à mettre en plus? Ben, peut-être le dernier message, ça serait de garder confiance sur le fait qu'on peut toujours changer les choses, on peut toujours changer sa vie. Il y a plein de moments dans la vie où on peut avoir l'impression, moi j'ai souvent ressenti ça, et même récemment, que ça y est, c'est la fin, enfin pas c'est la fin dans le sens, mais ça y est, j'ai plus d'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Voilà, il y a toujours de l'espoir. Et des fois, on en a, enfin, des fois sur le coup, on n'arrive pas à en avoir, on n'arrive pas vraiment à avoir cet espoir qui vient. Mais en faisant patiemment les choses, en se concentrant encore une fois sur le quotidien, il y a toujours, voilà, oui, il y a un concept que j'aime beaucoup de, je sais plus comment il s'appelle, Nassim Taleb, je crois, Nassim Taleb, j'avais lu son livre, Le Signe Noir. Le concept du signe noir, c'est un concept un peu perché, en fait, mais qui globalement dit que quand, au bout d'un, de temps en temps, quand il y a une réunion de choses, et notamment le fait que, bah, tu passes à l'action, notamment le fait que tu donnes au quotidien, de temps en temps, tu as des choses, voilà, qui arrivent et qui sont assez presque miraculeuses. Alors, je ne sais pas si j'ai bien résumé le concept du signe noir, parce que c'est un peu plus complexe que ça, il me semble. Moi, j'ai pu l'expérimenter dans ma vie, des fois, à certains moments où j'ai l'impression que je ne vais pas me sortir d'une situation, j'ai l'impression que je ne vais pas réussir un objectif. Mais voilà, je ne me dis pas, j'arrête, je continue, je continue, je continue. Et à un moment donné, tu as le truc, tu as la personne, que souvent, c'est passé par des personnes que j'ai rencontrées, qui sont arrivées comme ça, je ne sais pas trop comment, et qui m'ont permis de passer au niveau supérieur. Donc, il y a toujours, toujours, toujours de l'espoir. Ah, super. Ce sera le mot de la fin. Je mettrai bien sûr ta chaîne, les coordonnées de ta chaîne, donc sous cette interview. Donc vraiment, je recommande à tout le monde de venir jeter une oreille et un œil sur ce que tu fais. C'est génial. Donc super. Merci beaucoup en tout cas, Gabriel, de t'être prêté au jeu de l'interview. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment. Excellent, très bon moment et merci à toi, Nadège, de m'avoir proposé cette interview. Bah, merci à toi d'avoir accepté. Je te souhaite une très belle continuation et puis merci encore pour tout ce que tu fais. Okay, bah toi aussi, bon courage avec ta chaîne, plein de Merci, succès. à bientôt. Salut. Bye.